se retrouve dans notre aventure. Il est quoi? Ok, ça va être le jour où on prend une dose. On en a gaspillé quand même au moins 3, je crois. Ok, 9 sur 20, c'est bon. Je crois qu'on en a gaspillé au moins 3. Ce qui est un peu embêtant. On va pas manger, on va juste partir. Ok, let's go. C'est le moment où on sort. Donc la dernière fois, on était sur le chemin pour rentrer, pour trouver la grotte. Et on est tombé ici. Oh, j'avais pas vu ça. Peut-être du bois, sûrement. Et on est tombé sur cette petite cabane là. Vraiment bien, vraiment cool. Et on a dessiné, on a vu qu'on était pas loin de la grotte. La grotte, elle doit être juste là. Donc on fait ligne droite. Et en théorie, on devrait être bon. Nous avons plus de flèches. Nous avons plus rien. On est complètement sans défense, honnêtement. On a plus de vivres. On a quoi? Une dizaine de vivres. On a des massettes. Là-bas, il y a un cadavre de cerf. On a 10 massettes, c'est tout. On n'a pas de bois. On a pas mal d'allumettes, ça par contre, oui, on en a trouvé pas mal. On va pas trop s'attarder. Ok, donc la grotte, c'est pas là. La grotte doit pas être loin, la grotte, pour partir. Elle doit vraiment pas être loin. Alors un truc qu'on va faire aussi, c'est ça. Parce qu'il y a encore des loups qui traînent. Des meutes de loups gris. Ah, honnêtement, ça m'embêterait de l'utiliser. Parce que c'est la dernière qui nous reste. Et c'est assez rare. Où est-ce qu'on va? C'était aussi bas la grotte? C'était autant en contrebas? Je sais pas, honnêtement. Ouais, non, nous on est monté comme ça, donc la grotte est là. Non, on devrait la trouver vite fait, ouais. On devrait la trouver dans pas longtemps. Oh yes, on a un méga temps. Merde. Sur une route. Peut-être là. On continue à allonger la paroi. Je peux pas me dire que la grotte elle était aussi loin. Ça dure tellement pas longtemps ces trucs. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Ils peuvent pas monter.
Où est-ce qu'on va? Sentier de montagne secret. Où est-ce qu'on est, bordel de merde? Où est-ce que nous sommes? Mais t'es sérieux? C'est quoi cette zone maintenant? On a toujours la meute après nous. J'ai peur que on soit en train de faire le tour et qu'on tourne nez à nez avec les loups. Mais là, on est en train de revenir sur nos pas, en fait. C'est pas bon. Là, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez, on n'avait pas vu un pont comme ça quand on était arrivé? La grotte, elle est pas là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Un lit. Ouais, moins 24, je trouve à ce quoi. On n'a pas de bois. On peut pas faire de bois, on peut pas rester là. Mais je suis quasiment sûr que la grotte est là-bas. Oh merde, on y va, allez. Putain, c'est dangereux ce qu'on fait. Je suis quasiment sûr que la grotte est là. J'espère qu'ils vont pas trouver un moyen pour nous rejoindre. Chute d'eau au bout du ravin. Parce que quand on est arrivé avec la grotte, en fait, on entendait plein de chutes d'eau partout. Et je crois qu'à un moment, on a vu un pont, non? Ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Je vais être honnête, j'en sais rien. Là, on est sur la paroi de droite, enfin sur notre droite. Et en théorie, on continue. Et... enfin, dans ma logique, on trouvait la grotte. Au final, la map est beaucoup plus compliquée que ce que je pensais. Les champignons, on n'a pas le temps. Ah. Dis-moi que c'est celle-là, dis-moi que si c'est celle-là. Oh mon dieu. Oh la vache. Oh mais ça me stresse tout ça, moi. Oh mon dieu, putain, on a pris cher. Du coup, je crois qu'on avait laissé
des choses. Du charbon. Ouais. Ce qu'on pourrait faire, c'est... Attendez, on a du charbon. Ce qu'on pourrait faire, on fait quoi? On dort là une heure, on se réchauffe. On ressort, on va prendre les champignons. Enfin, non, fuck la zone. Non, c'est bon, j'en ai marre de cette zone. J'en ai marre de cette zone, ça m'a suffi. On n'y retourne pas. On y retournera quand on sera équipé. Si je me rappelle bien, il y avait un lit. Je crois, quand on descendait, là, on avait escaladé. Ouais, ça c'était à nous. Faut qu'elle se repose, hein, par contre. Faut qu'elle se repose. Ouais, on n'avait pas regardé ce qu'il y avait là-bas. Après, il y a quand même Muskeg Morn à se faire. Hein. Bon, ça devrait être un peu plus tranquille. Mais... Ah, ok, je crois que ça fait un cercle. C'est ça le mec, on l'avait vu. Escalader. Le lit il était là. Ok, il était là. Oh la vache! Ouais, dans la grotte il fait chaud. Donc ça va. On va boire ça, ça va nous déshydrater et nous donner quelques calories en plus. Parce qu'on a un niveau calories, c'est pas trop la joie. On va garder ça parce que ça nous aide pour se remettre d'aplomb. Ah là on utilise vraiment nos dernières ressources quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On dort un maximum ou pas? On pourrait dormir un maximum et après on se réveille et on trace chez nous. Je crois qu'on va faire ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est parti. On va dormir 12 heures. On va voir combien de temps le dort de toute façon. Mais on va... Après on rentre. Comme ça, on aura le plus de vie possible. Elle sera reposée le plus possible aussi. Il va sûrement faire nuit. Ouais. Il fait nuit. Fou, on est de retour à la normale, quoi. On est de retour à la normale. Oh mon dieu, ça fait plaisir. Par là. Mais on y retournera sur cette zone. Hein. Mais on y retournera plus tard, quand on aura fait d'autres zones. Il faut qu'on fasse... Il faut qu'on récupère énormément de flèches. Il faut y aller au moins avec une vingtaine de flèches faciles. Parce que on a utilisé toutes les fusées. On a plus de fusées bleues. Donc si jamais on tombe sur des... sur un pack de... Enfin une meute de loups gris, on va devoir les combattre. Parce que s'il y en a un... Ils sont toujours en pack en fait. Donc s'il y en a un qui nous voit, il va gueuler, il va meuter, amener les autres. Au final, on n'a toujours pas combattu l'élan, c'est bien. Au final, toujours pas d'élan. Parce que je rappelle qu'on était là pour l'élan. Hein. On était là, on était allé à
Un muskeg morne pour l'élan. Au final, rien du tout. Hein. On est. J'aime bien parce qu'on était parti. C'est un peu comme. Ça fait un peu comme. Ça fait film en fait. Ça fait très, très scénarisé au final. Et en plus, ça l'était pas quoi. C'est. C'est genre. On va faire quelque chose. Genre, on a un objectif bien précis. Au final, on finit par. Pas par se perdre, mais. On a des aventures. Ça dure 5 jours et tout. On revient, on a plus de flèches. Oh la vache, bizarre le sol. Oh mon dieu, pour ça qu'il est bizarre le sol. On a plus de flèches. On a combattu, on a plus de vivres, on a plus de ressources. On est mal en point. Mais voilà, on ressort plus puissant quand même. On a bien monté en habilité, en skill et tout ça. Eh merde. Non. Sans déconner. Sans déconner. Vêtements, j'ai commencé à geler. Faudrait qu'on s'arrête quelque part pour les réchauffer. On a assez de feu ou pas? Non. J'ai froid. Moins 29. Mon stomach. Il y a des loups. On est tombé dans l'eau, j'y crois pas. Ça gèle méga vite. I could eat a horse. It's in lock, so I love horses. Faut pas que nos vêtements gèlent en fait. Je sais pas si on aura le temps de rentrer. Je vais être honnête, je sais pas si on aura le temps de rentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas assez de... En fait, les vêtements, il faudrait les sécher. On peut faire un feu à l'intérieur, mais on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de feu, en fait. Je sais plus ce qui arrive. Si nos vêtements gèlent sur nous, je crois qu'on a des gelures. Et notre vie maximum baisse. C'est irréversible. Donc je sais pas trop comment on va faire.
Oh, on a le temps. Honnêtement, j'ai envie de prendre le l'adrénaline et de me shot. Et de me shooter. Et comme ça, on sprint jusqu'à la maison sans s'arrêter. Il y a un loup, je crois, sur la... les rails. Non, non, c'est un caillou. Ah mon dieu, quelle aventure! C'est pas fini, quoi, apparemment. Ouais, j'ai vraiment envie de me shooter, là. Ok, on a plus le bonus. On aurait pu s'arrêter pour manger. J'aurais pu manger, j'ai été con. J'aurais pu... Parce que là, on est plus lent. Oh, j'ai été débile. Parce qu'on avait récupéré en plus de la viande. Ça aurait pris une fraction de seconde. Maintenant, on perd du temps parce qu'on est lourd. Ça a pu durer une fraction de seconde. Oh la vache, quel débile. Erreur de ma part. Il y a un loup devant. Dessus parce qu'on a la lampe. On lui laisse encore un appât. On y est. Bon, on a plus le bonus, pas très grave. Pas très grave. Oh la vache, on est à la maison. Allez. On est enfin à la maison. Putain. Ah oui, c'est con le coup du... Ah, j'aurais dû... Putain, j'aurais dû vraiment manger un steak. En fait. J'aurais dû vraiment manger un steak. On aurait eu gardé le bonus. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va pas vraiment se balader. Donc, bah du coup, tout est sec. Hein, tout est sec, parce qu'on revient de loin. Putain. Ah oui, avant que j'oublie. Voilà. On va manger, boire et dormir. Et on va essayer de se remettre un peu d'aplomb. Je voulais vraiment pas utiliser la fusée éclairante, mais c'est fait maintenant. C'est un peu du gâchis en fait. Eh ben. Là on mange tout. On boit. Et on dort.
Et voilà. On est sauvé d'affaire. On est chez nous. On est chez nous. Donc, on est tranquille. Ça va. Ça y est. On peut enfin respirer. Ah, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin respirer. On va prendre une dose. Quoi qu'on va la prendre plus tard parce que j'ai bu. Ça fait du bien d'être chez soi. Oh la vache. Donc. On va prendre ça. On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 litres d'eau. Très bien. On a les médicaments sur nous. On va, vu que maintenant on bouge plus de chez nous pendant un petit moment. Donc hop, hop. Ça, on le laisse là. Très bien. Les médicaments, on les garde sur nous. Ça, on va les mettre. Mais merde, c'est plein. Fait chier que ce soit plein, ce truc. Ouais, ça aussi, c'est plein. Ah, c'est embêtant, ça. On m'embête à chaque fois. Hop. On va les déposer par terre. Hop. Enfin, on va les mettre là, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai qu'on en a plein là aussi, oh la vache. Cool. Donc oui, ça va, on est sauvé maintenant, c'est bon. On va juste donc continuer à se soigner et tout. On va faire des flèches. On va faire des flèches. Ça, flèche simple, on va en faire deux. Très bien, on va continuer à faire ça. On va commencer nos crafts aussi. On va encore faire flèche. On va commencer nos crafts de vêtements. Ah, il fait déjà nuit. Il fait déjà nuit. Elle est fatiguée déjà. On a combien de flèches du coup? Ok, c'est pas mal. 8 flèches en tout. Très bien. On va manger ça. On va manger ça. Ah, très bien. C'est bien qu'on ait de la viande d'ours de côté. On va aller dormir encore une fois. Bah du coup, les 3 jours en fait vont vite revenir. Parce qu'on n'arrête pas de dormir en fait. On n'a pas pris nos médicaments du coup. Je crois. Ça. 8, très bien. On va dormir le plus possible. Je sais pas si elle dort le plus possible en fait. Si elle dort la barre entière, enfin le cercle entier. Ou alors le cercle sans la partie rouge. On va voir. S'il fait jour, elle a dormi 12 heures. Il fait jour. Ok, donc elle dort vraiment 12 heures. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Je crois. J'ai l'impression qu'elle peut dormir autant de temps qu'elle veut, en fait. Quand elle est malade. Donc, ce qui est bien. Par contre, on risque d'avoir le mal de l'enfermement, donc il faudra faire gaffe. On va sortir, on va voir un peu ce qui se passe dehors. On va manger ça. Très bien. Ça a pas trop changé ici. Ça a pas trop changé. On a encore tout ça. Ça va. Et après, on mangera que de ça. Jusqu'à ce qu'on passe cuisine 5 maximum. C'est ça qui est bien, c'est que la cuisine est bientôt 5. Donc, dans un sens, c'est vrai que. Être malade, c'était un bien comme un mal. En fait, on en a tiré vraiment. La cuisine, ouais. On a vraiment tiré un bon côté de faire ça. On va d'abord faire le. On va d'abord. Attendez, on a beaucoup de tissu. Je me suis pas vraiment vidé les poches. Va falloir aussi qu'on. 4. Cuir aussi.
Va falloir aussi qu'on... Qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour dormir dehors, on va devoir, je pense, on va devoir refaire l'igloo, parce que l'igloo est sûrement détruit maintenant, depuis. L'igloo est détruit, en fait, avec le temps, et qu'on l'utilise. Alors, le sac de couchage nous a tellement sauvé la vie, ce sac de couchage. Ça donne envie, hein, le coup du sac de couchage en ours, hein, du coup. Hein. Ça donne vraiment envie, hein, de... d'en avoir un. Ah, il y en a deux que j'ai commencé en même temps, apparemment. Je mets des trucs partout. Par contre, là, je suis pas content d'avoir mis ce livre-là. On va le mettre là. Il y a, on a des trucs partout, c'est abusé. Ça. Très, ça, on les détruira quand on aura envie. Il y a des allumettes. On va jeter ce paquet-là. Très bien. On s'est méga bien débrouillé, hein, je veux pas dire. On n'avait pas un bout de bois aussi à balancer? Pas, non, on n'a pas de bois. Ah oui, à faire sécher. Très bien. Du métal, on va le mettre là. Voilà, très bien. Ça aussi, on va le déposer. Ça aussi. Je crois qu'on peut faire encore des flèches parce qu'on a du. On a encore des plumes, on peut faire encore des flèches. On va pas faire les flèches, on va faire donc le pantalon en peau de cerf. Donc c'est 12 heures, c'est 3 et 4. Donc 1, 2, 3. Et ah oui, il y a ce livre qu'on avait posé par terre. C'est bon, j'ai bien compté. Ouais, c'est bon. Alors, pantalon en peau de cerf. Hop, 3 heures. Donc voilà, on va voir combien de temps ça dure, tout ça, pour l'épisode. Et comme j'ai dit, je couperai si jamais ça dure trop longtemps. Je couperai. Parce que c'est vrai que ça va pas être intéressant. Enfin, on va continuer jusqu'à ce qu'on finisse. Est-ce qu'on doit prendre des médicaments maintenant ou pas? Je sais plus. On va les prendre avant dormir, avant de dormir. Yes. On va continuer l'épisode, encore une trentaine de minutes, comme d'habitude, on fait des épisodes à peu près une heure. Et après on verra. Ce que je fais. Je pense que on n'aura pas le temps de tout crafter. Ça dépend. Quoi qu'on va aller vite, en fait. Tout est en accéléré, donc je sais pas, peut-être. C'est bien qu'on ait, on ait plein de kits de couture aussi, c'est vraiment bien. Non, mais par contre, on va devoir faire de l'eau à un moment. Encore 3 heures. Ça passe pas. Par contre, elle est vraiment fatiguée. Faut pas qu'elle s'évanouisse dehors, ce serait un peu con. Ça serait un peu con, hein, de s'évanouir dehors, alors qu'on est devant la maison. On a bientôt fini le pantalon. Je vais être honnête, si jamais on a le mal de l'enfermement, ça serait quand même bien bien vache de la part du jeu. Parce qu'on est, on est tellement resté à l'extérieur pendant tellement longtemps, avec le sac de couchage et tout ça, à dormir à l'extérieur. Ça serait... On n'a pas pris l'antibiotique.
Ça serait vraiment très très vache de la part du jeu. Honnêtement, de faire ça. J'ai complètement oublié de prendre l'antibiotique. 7 jours. Vous avez vu comme elle fatigue extrêmement vite maintenant. Euh, 15 minutes, la blague. Voilà, très bien. Non, c'est l'inverse. Voilà, très très bien. On va déposer ce jeans en haut. Maintenant, on va faire le vêtement en peau de loup. Voilà, très bien. Il va falloir qu'on répare nos vêtements. Hein. Nos vêtements en peau. Il va falloir qu'on les répare aussi. Alors ça c'est bien, on a ça, maintenant le vêtement en peau de loup, donc c'est 4 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. On va sortir, on va voir si on peut pas récupérer un peu de bois. Faut de l'eau. Parce que on va devoir faire de l'eau à un moment. Voilà. À chaque fois qu'on se réveille, il faut prendre des antibiotiques en fait. Là, faut se mettre à un truc comme ça. Ou on se réveille, ou on dort. Genre, ou à midi, mais bon, à chaque fois, j'oublie, moi. Donc là, on l'a fait quand? Quand on s'est réveillé? Donc le prochain, pareil, quand on se réveille. Devient déjà un peu plus simple pour résister au froid. On a un arc qui, je crois, le premier arc qu'on a, il est à 2%. Je crois qu'il faudrait aller l'utiliser et le finir. Mais bon. C'est un peu compliqué parce qu'on va pouvoir tirer qu'une fois, je crois. J'ai un peu peur que le loup soit juste là. Okay, on va continuer de ce côté-là. Ah, on va rentrer, on va encore travailler. Et voilà. Voilà, très bien, il reste encore. 1, 2, 3. Ouais, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8000 à peu près de calories. On en a sur nous? Yes. Alors, manteau en peau de loup. 3 heures. Ah, très bien.
qu'est-ce qu'on fait? On va ressortir un petit coup aussi. On va voir. On va voir. Je voudrais bien en fait qu'il fasse pas froid. Comme ça, on peut couper le bois qui est à côté. Ce serait bien. Mais c'est vrai qu'il y avait de l'eau qui traînait en fait. Donc est-ce que ça vaut le coup de le tenter? On va voir si les massettes sont revenues. Ah bah tiens, on va regarder aussi l'abri. Où est-ce qu'il en est l'abri? What? Oh la vache, t'es chiant toi. Tu sais qu'on revient d'un truc où les loups tuent les loups. Tu sais qu'on revient de cet endroit-là, mec. Tu sais qu'on vient de combattre un pack de loups gris. Plusieurs même. Il est là, non? Ah, il est là. T'imagines ce qu'on vient de vivre? Oh la vache. On a très mal visé. On a tiré sur le putain de truc. Oh la vache. Quelle merde. I need to find a place to rest. Mal de l'enfermement, évidemment. Évidemment. Car sinon c'est pas drôle. Complètement con ce mal de l'enfermement. On a combien de... Il va falloir aussi des brindilles, je crois. On va voir un peu comment ça se passe avec le loup à la con, là. Est-ce que t'es toujours là, saloperie? Non. Par contre, les massettes... que dalle, hein. Détruit, réparer. Il n'est pas nécessaire de réparer l'igloo. Il n'est pas nécessaire de réparer l'igloo. Parce qu'il est complètement détruit, c'est ça? Est-ce qu'on peut dormir encore une nuit? À la maison. Est-ce qu'on peut dormir encore 12 heures avant de d'être complètement fou? Je voudrais pas que ça se déclenche en fait. Il reste combien de temps pour l'établir pour ça? Il reste 20... Ouais, non, 25 heures ça va être trop. 25 heures ça va être trop. Très bien. On va devoir construire un igloo. C'est quoi? C'est 10 et 10? À chaque fois, j'oublie. On en a 24. Ah oui, quand même. Ouais, on va en déposer 14. C'est 10 et 5, je crois. À chaque fois, je pense que c'est plus que nécessaire. Je crois que c'est seulement 5 tissus. On va voir. Ça avec nous parce que on se rappelle que ça s'échauffe encore plus. Alors ...15 bâtons, donc c'est bien 20 objets à chaque fois. C'est pas 10 et 10, c'est 15 et 5. Ah la vache. Après, vu comment l'igloo fonctionne, vu qu'il est protégé du froid... 1, 2, 3, 4,
5. Je crois que, à la limite, ça sert à rien de le protéger lui-même. Je dirais. Je sais pas si ça influe en fait sur le, la température ou alors sur le, la détérioration du, de l'igloo. Je sais pas. Je sais pas si ça, ça marche. À la limite, je dirais que non. Ce serait bien de pouvoir le mettre là. Si on est juste à la maison. Il y a la... il y a le loup. Too cold. Do you think? Il y avait juste le loup. Ça va, il faisait pas extrêmement froid. Qu'est-ce qu'on a? Un risque, un mal. Ok, c'est bon. Ok. Je vais juste me réchauffer. Voilà. Je crois qu'on risque rien dans le dans l'igloo. Je suis pas sûr. Tada. Plus 6 degrés. Plus 4, 6. 5 heures. Ah bah. Ok. Donc, bah c'est oui, c'est bon. Mal de l'enfermement, 27. Ah oui, quand même encore. Ah, 3 heures. Ah, on peut dormir un peu autant de temps qu'on veut, quoi. Et on est bien nourri encore une fois, c'est cool. Ok, 6, très bien. Euh, 27%, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon. Réparer, il faut une fourrure. On va aller prendre... on va aller récupérer une fourrure de peau de lapin. Comme ça, on répare nos, nos trucs. Est-ce que nos moufles, là, nos mitaines... Non. Si on répare... Quantité à réparer, 32%. Je vois rien, par contre. Et du lap. Et faut un boyau en plus. Ok, maintenant il n'y a que ça que je trouve. Okay. Le bureau, ok. On va se remettre dans l'igloo, on va faire les trucs dans l'igloo. Il y a ce loup qui m'embête, hein. Il y a ce loup qui m'embête. Pas... Ah putain, parce qu'on est à l'extérieur, mais il fait noir. Il y a ce loup qui me qui nous tourne autour, là. Il faut qu'on le finisse. Il faut qu'on le tue. Parce que sinon, il va nous prendre la tête. Je crois qu'on va avoir un problème niveau froid. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va
On va un peu encore continuer. On va attendre qu'il fasse jour. Puis on va réparer nos vêtements. On a encore 6 doses à prendre. Donc 6 jours. Ça va se passer. Ça va se passer. 6 jours. Vous avez vu l'endurance qu'elle a, quoi. C'est une catastrophe. C'est bête qu'on ait loupé un jour, en fait. Là on a vraiment une endurance de merde. On va encore dormir. Par contre, elle va subir la 2 degrés. On a peut-être pas dû dormir. On va voir. Normalement, ça devrait être bon. Oui, ça va. On va réparer ça. Et un truc avec le... C'est bon, ça, 100%. Et avec un truc qu'on peut faire avec l'igloo aussi. C'est... alors, c'est un peu... Ouais, non, enfin, je sais pas. Oui, c'est un peu exploité. On peut aussi utiliser, par exemple, un établi qui est à l'extérieur. Vous faites un igloo qui est pile devant l'établi. Normalement, vous pouvez accéder à l'établi depuis l'igloo. Donc, voilà. Après, bon, vous pouvez faire pareil avec le feu. Ce qui est dans un sens logique, parce que les gens qui font des igloos et tout ça, ils font des feux même à l'intérieur, quoi. Donc ça va, mais c'est vrai que le coup du... J'avoue que le coup du... De toucher à l'établi alors que vous êtes dans l'igloo, c'est bof. C'est un peu bof. Je voudrais bien finir le manteau, parce que comme ça nous aidera... ça nous aidera aussi à travailler. À tenir le froid. Je pense que le mal de l'enfermement, on va le laisser. On va le laisser monter. Je crois. Et après, il faudra rester 24 heures à l'extérieur. Dormir. On ne va pas pouvoir en fait dormir à l'intérieur. On est obligé de dormir à l'extérieur. Et je crois que on va faire ça parce que là je peux pas. Enfin, j'ai envie de crafter. Là on perd du temps en fait à chaque fois. Très très relou ce. Là, il faut qu'on fasse de l'eau aussi. C'est très très relou ce mal de l'enfermement. Elle est fatiguée. Encore 2 heures. Voilà. Très bien. On va devoir faire de l'eau. Non. À la limite, on peut dormir à l'intérieur. Après, elle va devenir folle et on sortira. Tu peux voir combien il fait dans l'igloo. Il fait chaud. Lol. Non, dans l'igloo ça va. C'est vraiment bien. On va peut-être pas exagérer non plus. Après, j'ai pas envie de tenter le diable. Ce qu'on va faire, c'est que, comme j'ai dit, on va se lancer. On va voir combien de temps on dort, combien de temps on arrive à dormir. Sûrement quelques heures, pas plus. Mais elle va sûrement avoir le mal de l'enfermement. On a réussi à dormir 12 heures? T'es sérieux? Oh. 96%.
Étrange. Étrange, ça a quasiment pas augmenté en fait. Faut faire du feu, faut faire de l'eau. On va voir un peu comment ça se passe dehors. Pour faire du feu, ça va être embêtant. Parce que l'igloo en fait est mal placé. Quoique il est à l'abri, non? Là on a un peu froid. Je sais pas si on peut... On est à l'abri du vent là. Ça a l'air d'être bon. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire en fait. Pourquoi t'as autant froid maintenant? Moins 16 alors que t'es dans l'igloo, tu te fous de moi ou quoi? Ah ouais, il fait moins 50, d'accord. Bon, bon, ok. Ça va. Ça va, je pensais pas qu'il faisait autant. Je pensais pas qu'il faisait autant, aussi froid. Faut que la tempête s'arrête. Faut que la tempête s'arrête. Bon, en tout cas, je crois qu'on va, on va arrêter l'épisode là. Parce que ça sert à... enfin ça sert à rien, parce qu'on a encore du craft, et ce que je vais faire, bah, c'est crafter. C'est faire le manteau, finir le manteau, après faire le manteau en loup, etc. Donc ça va prendre encore énormément de temps, il reste encore quoi, 15 heures sur ça. On va devoir faire de l'eau, on va devoir faire des... enfin, voilà. Ça va pas être intéressant, ok? Donc on va s'arrêter là, on va aller dormir une heure, comme ça moi, pour moi ça sauvegarde et je peux faire une pause. Et on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, alors je vais peut-être enregistrer et faire un petit accéléré pour montrer ce qui s'est passé. Mais sinon, ça sera quand on aura tout fini et puis comme ça on peut recommencer l'aventure. Enfin, on peut continuer l'aventure parce que là, ça va pas vraiment être super intéressant. J'ai pas trop envie de passer du temps à juste à rien faire, quoi. Donc merci d'avoir regardé. C'est vrai qu'on a, on a passé un super moment. C'est vrai que là, c'était quand même super intense le fait d'aller au... à la crique lugubre avec les loups et tout ça, c'était un truc de fou, c'était vraiment un truc de fou, et là on est rentré, c'est plutôt cool. Donc voilà, à la prochaine, ciao ciao.